Et si le changement climatique venait remodeler l'âme de la Normandie ? Éric Fretel a deux passions dans la vie, l'écologie et sa région, la Normandie. Deux passions qu'il a associées dans un documentaire dans lequel il rappelle que le réchauffement climatique, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on parle du réchauffement climatique, on a tout de suite en tête les images du désert qui avance ou des glaciers qui fondent. Du coup, en Normandie, on se sent moins concerné. Alors là, faire un documentaire qui parle de ce qui se passe chez nous concrètement, de notre culture, le camembert, le Mont-Saint-Michel, etc., ça permet de s'identifier, de se dire « Ah ouais, il y a des choses chez nous, quoi. » Le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, les falaises d'Etretat, et si toutes ces merveilles venaient à disparaître? Le ton est accrocheur, voire humoristique. Et à ce moment-là, on pourrait être à 40. Mais le problème, lui, est très sérieux. On est déjà à plus d'un degré de... Témoignages de scientifiques, chiffres, exemples concrets, eux là, ça chauffe, rappellent que le réchauffement climatique, c'est ici et maintenant. Fini de rigoler, place à l'action. Le vélo et les transports en commun doivent remplacer la voiture.